Rose, déplace-toi, je vais nettoyer cet endroit. Oh Nicole, pas maintenant. Tu dois te déplacer. La chambre, tes slips, tes soutiens, tous les jours, je les nettoie. Va là-bas te reposer, s'il te plaît, Bikonu. Je suis à l'aise, elle peut partir. Très bien, partez. Nicole, attends. Oui, elle peut partir. Toi aussi. Attends. Ah bah, je dois nettoyer. Non, attends, tu n'as pas besoin de faire ça. Maintenant, va dans la chambre. Attends. Attends, ok. Maintenant, nous sommes amis. Tu ne peux pas le faire. Ces filles sont terribles. C'est juste du balai. Ah! Oh, je suis désolée. J'ai juste oublié quelque chose. Je vais te nettoyer. Neka, pourquoi tu as bien ici? Neka, regarde-y. Non, mais j'ai trop peur. Je fais du mal. Laisse-moi tranquille. Depuis que je suis ici. Allez, tu veux me kidnapper avec toi, non? Hey. Aidez-moi, il est en train de me kidnapper avec moi. Aidez-moi. Laissez-la. Ambouille, je veux m'enfuir. Aidez-moi, qu'est-ce que vous faites? Mais monsieur, lâchez-la, s'il vous plaît. Lâchez-moi. Embouche encore. Arrête. Je vais te faire du mal. Non, mais Nico, qui est cet homme? Mon oncle. Arrête, ton père. Laisse-moi. Va là-bas. Tranquille! Qui es-tu, non? Laisse, je vais te ramener à la maison. Es-tu? Pourquoi pas te laver des cheveux? Est-ce que vous êtes sûr? Es-tu sûr? Monsieur, est-ce que c'est un kidnap? Faites-le! D'où tu es ça? Il me kidnappe! Laisse ta portière là! Aidez-moi! Son père! Tu as vu, c'est son père! Hey! Je n'arrive pas à croire ce qui vient de se produire. Hey! Tu vois? Ma chère, j'arrive toujours pas à croire ce à quoi j'ai assisté. J'arrive toujours pas à croire ce à quoi j'ai assisté aujourd'hui. Je ne peux pas croire ce que j'ai vu. Est-ce que tu as vu la façon dont le type a balancé la fille là dans la voiture avec tout son poids là? C'est comme s'il n'avait même pas le poids. On aurait dit un papillon. Es-tu surprise? N'as-tu pas compris cet homme? Cet homme m'a dit que c'est un chauffeur retraité. Hey! Même quand il a dit, j'ai cru que cet homme devait nous donner... Hey! Attends, oh! Le nom de Nicole, c'est Neka. Et elle est ici à nous mentir. Nicole a passé tout ce temps avec nous dans cette maison, se vantant, se comportant, disant qu'elle était la fille d'un grand ingénieur. Hey! Les filles mentent. Un si gros mensonge, les gens font encore ça. Attends, je peux même encore l'accepter qu'à l'extérieur, tu puisses encore le faire. Je veux dire ici,
Mais c'est nous, non. Avec nous sommes des filles. C'est une histoire de nous. Tu n'as pas besoin d'impressionner. Ça, c'est mensonge. Ça, c'est trop fort. Je veux dire humiliant. Bref, comme nous sommes en train de parler, s'il te plaît, donne-moi ton véritable nom. Après, demain, ton père va venir ici. J'ai malade. Dis donc, va là-bas. Attends, ton père va venir ici nous dire que ta part va dépasser. Ah, moi, je n'ai pas ces problèmes. Peut-être cette fois, ta part sera Philomène. Oh, qu'est-ce qu'on appelle? Dis donc, va là-bas. Ou joue encore. Ou joue encore. Nicole. Chérie, tu ne veux pas faire ça. Qu'est-ce que je fais de mauvais pour mériter ça? Tu ne veux pas faire ça. Pardon, ferme la bouche. Je dis ferme la bouche, va-t'en. Donc on ne peut pas bafouer mon honneur. Je ne suis pas le gombo, je ne suis pas le gombo. Ferme la bouche, arrête ta bouche. Arrête de bouger ta tête. Fais sa tête. Non, elle a gratté, non, elle a gratté. Fais ses yeux, encore dans tes yeux. Tu ne peux pas faire ça. Tu parles, tu ne m'écoutes pas. Je vais te mettre les ciseaux dans les yeux maintenant. Maman. Je dis calme-toi. Veux-tu que je t'enlève les yeux? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Maman, pardonne-lui. Ne fais pas comme ça, maman. Elle a gratté. Elle a gratté. Ne fais pas comme ça. Arrête de faire ça. Je vais te percer les yeux. Arrête, non. Ça va. Ferme la bouche. Ça va. Mais ça va. Non, je vais te couper. Je te demande de fermer la bouche. Je vais te battre. Ferme la bouche. Tu penses que tu as même quoi? Je vais tout couper ça. Mais ça va, ça va, ça va. Hé, hey, vas-y, arrête. Tu l'as fermé. Tu vas rester à la maison. Tu vas rester. Oui, papa. Ah, papa, je te supplie. Ne coupe pas mes cheveux, je suis s'il te plaît. Je vois encore ton pied hors de cette concession. Je ne suis pas le gombo, je ne suis pas le gombo. Tu oses le bafouer mon autorité. Essaie encore. Mais toi... C'est attaché comme si j'étais une criminelle qui vient de couper la tête de quelqu'un. Oh, je suis trop belle. C'est quoi? Je suis trop belle. C'est moi, frère. Regarde, je suis trop belle. Même celui qu'on a posté hier, je l'ai pris. Va suivant. Regarde. Encore cet homme. Je me crête comme si j'étais une voleuse. Allez, avance. C'est quoi ton problème? Laisse-moi tranquille, c'est quoi ton problème maintenant? Je vais te battre ici. Bonsoir, monsieur. Va chercher. Entre. Salut, monsieur. Entre. Va prendre tes affaires. Je n'ai pas la maison. Allez, entre, prends tes affaires. Dépêche-toi. Va faire tes valises. Tu m'as déjà tapé. Je vais te battre ici. Allez, entre les ramasse tes affaires. Dépêche-toi, je ne vais pas te taper. C'est tout? Ça, je vais encore emballer. Range-les bien. Allez, dépêche-toi. Tu as déjà coûté mes cheveux. Allez, passe devant. Moi, tranquille. Mets-toi dehors. Allez, mets ça à l'intérieur. Viens, entre ici. Laisse-moi entre là, avant que je te bastonne. Ouais. Nicole. Ha ha ha!
Regarde-les. Tu as vu? Tu vois? Regarde comme c'est court. Regarde ça, cette autre personne. C'est que tu as acheté, c'est même déchiré, c'est pour les papa, prostituées. Papa, n'est pas court. C'est court et déchiré. C'est pas bien. Regarde ça. Pas court. Regarde cette autre. C'est pas bien. Ramène ça. Maman dit quelque chose. Regarde celui-ci. Si une personne porte ça, ne diras-tu pas qu'elle est nulle? Regarde ça. Tous ces habits qui m'ont manifesté, je vais les brûler. Attends, tu pourrais acheter des trucs pour elle? Hein? Mais fashion show. As-tu déjà acheté des trucs pour elle? Tu as vu ça? Vous hey. Avez... Regarde bien. Les vêtements de bébé. Le vêtement, le pétrole. Ne t'approche pas de moi. Papa, ne mets pas le pétrole, ne bouge pas. Tu t'imagines qu'une grande personne porte des vêtements de bébé au nom de la morte? Hey, je vais les brûler. Je vais brûler tout ça. Je vais tous les brûler. Ne t'inquiète pas. Je vais tous les brûler. Ne t'inquiète pas. Tu verras. Bambi. Où sont les allumettes? Vas-y! Regarde! Observe très bien! Ne mets pas les petits, mes habits! Je vais les brûler! Alors, quand ces vêtements finiront de brûler, tu n'auras plus aucun vêtement à porter pour sortir! Allez, fermez vos bouches, mesdames! Je peux éteindre! Je peux éteindre ça! Dégage! Je t'approche plus d'ici! Tu brûles ces habits! Veux-tu brûler avec eux? Veux-tu brûler? Tu veux te brûler? Allez, dégage! Viens de ça que tu le fais! Ne t'approche plus de ces flammes! Tu vas brûler avec eux! Ce sont mes habits, non! Ne t'inquiète pas! Qu'est-ce qui va pas avec toi, non? Hey! Donc tu veux brûler totalement tous ces habits? Vas-y, prends ceux qui sont à l'intérieur! Vas-y, prends ceux qui sont à l'intérieur! Comme ça, tu vas brûler tout! Maman! Maman! Oh! Ma chérie, sois la bienvenue. Merci. Tu as l'air en forme. Merci. C'est le travail de Dieu. Sois la bienvenue. Merci. Bienvenue, ma fille. Comment vont les études? Oh! Toutes les choses vont bien. Nous faisons le mieux que nous pouvons en tant qu'être humain. Et le reste déroule parfaitement. Bienvenue. Merci. Toi et la Bible, hein? Toi et la Bible tout le temps. Ma chère, que puis-je faire d'autre? Si ce n'est de faire ce que je suis censée faire. Je suis une femme de Dieu. Et la Bible, c'est mon meilleur compagnon. Je sais. Est-ce que tu comprends? Je sais. Je lis aussi ma Bible tout le temps. Vas-y te changer, ok? Vas-y. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as cuisiné? Tu aimes toujours faire les choix. Non, je ne le suis pas. Je veux juste savoir ce que j'ai cuisiné ton repas préféré. Le plantain, le haricot. Merci. Ok. D'accord, pas de quoi. Jésus. Victoria. Tes études doivent être le plus important dans ton cœur maintenant. J'espère que tu ne joues pas avec tes études. Et je rends aussi grâce à Dieu de m'avoir permis de prendre soin de vous tous depuis la mort de mon mari, ton père. Dieu nous a toujours été fidèles. Il nous a rendu la vie facile. Je lui donne toute la gloire. Amen. Quelle est la dernière fois qu'Emmanuel t'a appelé? Emmanuel? Je crois le mois dernier. Le mois dernier? Est-il normal? C'est de cette manière qu'il veut se rappeler de sa famille? Ne sais-tu pas qu'il est à Londres pour son master? Il n'est pas là-bas pour autre chose. Ne le dérangeons pas avec les appels. Laissons-le se concentrer sur ses études. Mais si c'est avec moi, tu vas vouloir que je rentre ici à chaque fois. N'aimes-tu pas ça? Non, je ne me plains pas. Ne sais-tu pas que tu es mon dernier-né? Tu dois toujours être à mes côtés. Ne vais-je pas me marier? Bien sûr. J'ai un appel. Excuse-moi. Allô? Oh, Jésus, j'arrive. En travail? J'arrive maintenant. Je serai là bientôt. Ma fille, l'une de mes patientes est en travail. Je dois partir. Je serai bientôt là. À 7 heures? Oui, ma chérie, j'arrive. C'est pour ça que je ne veux pas venir à la maison. Si elle n'est pas à l'église, elle va aller secourir une personne. Mmh.
Alors voici ça. Ok. Le parcours du carnaval de Rio. Par là. Alors on se déplace d'ici. Ouais. On passe par là. Et puis on finit par ici. Donc il n'y a rien de si difficile. En fait, ce que je veux dire, c'est en fait ça. Oui, c'est ça. Jusque-là, puisque la conception est le commencement de la démocratie, personne n'a pensé à une idée comme celle-ci. Vous savez, avec un petit coup de pouce, de sport, d'éducation, de l'industrie, en utilisant l'approche du carnaval de rue. Je suis sûr que nous allons faire tourner la fortune de l'État. Nous allons entraîner l'État dans les grandeurs. Et Seigneur Harry. Ouais. Moi, Docteur Equine, j'ai le pouvoir et l'habilité de changer la fortune de cet État en utilisant l'approche du carnaval de rue. Bah oui, c'est ça. C'est ça. C'est une bonne chose. Ouais. Merci. Je vois ça, un jour spécial, en impliquant ça dans le carnaval de la rue. Ouais. C'est là. Grand-mère, regarde ce que je t'enseigne. Mm-hmm. 2 × 1, 2. Mm-hmm. 2 × 2, 4. Mm-hmm. 2 × 3, 6. Mm-hmm. 2 × 4, 8. Aïe. 2 × 5, 10. Mmh. Grand-mère, répète ce que j'ai dit. L'enfant, si tu es très intelligente. Ah. Que je reprends. Chante. Hey. D'accord. 2 × 2, 1. 2 × 2. Grand-mère, oui. ce n'est pas comme ça que j'ai dit ça. Mais c'est comme ça que tu chantais, non? Je ne l'ai pas chanté, mais je l'ai lu. D'accord, parle encore, non, parle encore. 2 × 1, 2. Hein? 2 × 1. Hey! Papa! Papa! Comment allez-vous, mes filles d'amour? Papa, ce n'est pas mes filles, c'est ma fille. Hey! Comment vas-tu, ma fille chérie? Bien. Hey, je vais bien. Tu vas bien. Maman? Cette fille, elle est très intelligente. Elle t'enseigne, elle m'enseigne. Tu sais que nous ne sommes pas là à l'école, non? Nawao, mon fils, comment ça s'est passé au marché aujourd'hui? Maman, nous avons fait de notre mieux, non? Maintenant, ce n'est qu'à Dieu qu'on peut... Ha! Dame non, maman. Merci. Merci, maman. Lucie, viens, faisons ce que nous étions en train de faire, non? Viens, descends, que ton père aille se reposer. Tu ne peux plus venir? Cette fille. Maman, c'est pas grave, je vais aller dans la chambre. Docteur, dame. Hi. Et la fille qui m'aime. Tintin, bah, abakaborega, c'est que. Ça, maman. Mm-mm. Maman. Mm. Tchai, double X5. Là. Viens, je t'aime. Double X5. Alors, toi, viens là. Inde imatere inesono. Me trompe pas. No. Oui. Inge imatere inesono. Maman, Juno. Ne fais pas comme ton père, c'est comme ça que oh, je jonglais. Oh non, maman. Hey! X2. Regarde ma peau. Je veux aussi voir comment elle pilote. Ting ting ba abekabara gwe. Kite. Ting ting ba. Ma. Ne te dérange pas, tu ne vois pas. Zix 5-4. Ma fille, c'est Zix 5-4. Il faut que je pilote bien. 1, 2. Inge imatere ine. Je pense que c'est bon. Hein. Oya, maman joue. Donc c'est comme ça. Maman. Il y a quelque chose qui me dérange là maintenant. Je ne suis pas du tout contente. Maman, maman, qu'est-ce qui se passe? Les manières de ta femme. La façon dont elle se comporte ne me plaît pas. Hein? Comment une femme qui est mariée, qui a un enfant, peut laisser la maison de son mari? 1 mois, 2 mois, 3, 4 mois. Elle ne voit pas son mari. Elle ne demande même pas les nouvelles de son enfant. Même par téléphone, elle ne nous appelle même pas. C'est bien? Maman.
quand bien même je vais utiliser mon téléphone pour l'appeler, cet enfant va vouloir lui parler, je vais lui donner. Ah, Tamno va nous raccrocher au nez, il ne pourra même pas dire allô. Maman, ce que tu me dis là, ça ne passe pas. Ça ne passe pas du tout. Je ne comprends pas. Maman, pas Tamno. Tamno ne peut pas faire ça, maman. Tamno ne peut pas faire ça. Tamno. Non. Tamno ne peut pas faire ça, maman. Mais la dernière fois que j'ai appelé Tamno, Tamno m'a dit qu'elle a causé avec toi, elle a causé avec Lucie. Qu'elle a causé avec toi, que ta voix même douce à entendre, que c'est sûr que tu manges même bien. Qu'elle a causé avec toi, qu'elle a bien suivi ce que tu as dit. Mais comment peux-tu me dire non, pas Tamno. Tamno. Maman, non, pas Tamno. Tamno m'a dit qu'elle a causé avec toi très bien, que tu vas bien. C'est ça? Donc c'est moi qui mens? Maman, hein? Je n'ai pas dit que c'est un mensonge. C'est moi qui mens. Ta femme te dit maman, la vérité. Maman, je n'ai pas dit que tu me mens. Maman, non, ça ne peut pas être Tamno. Tamno, mon amour. Maman, non. Maman, non, pas Tamno. Laisse tomber. Ta femme ne nous parle pas. La dernière fois qu'elle nous a parlé, c'est ce jour que tu l'avais appelé avec ton téléphone. C'est là où elle nous a parlé. Après ce jour-là, elle ne nous a plus jamais maman, parlé. Maman, Tamno, c'est ma personne. Ça ne ressemble pas à Tamno. Tamno, non. Tamno, c'est impossible. Je ne crois pas. Hein? Maman, c'est difficile. Maman, si tu regardes bien, maman, je pense que c'est l'examen. Hein? Tu sais, quand vient la période des examens, tu dois beaucoup étudier, tu dois lire des livres et ça remplit ta tête. Maman, c'est pas facile. Et tu sais, si elle était là, tu allais voir, non? Elle allait prendre les livres, 1, 2, 3, 4, 5, étudier tout ça, mettre dans sa tête. C'est pas facile. Ah, maman, c'est toi-même regarde, non? Je vois souvent les problèmes des examens. Ce sont les problèmes des examens. Oui, c'est vrai, des examens. Les examens la tracassent trop, hein, maman? C'est vrai, hein? Tu sais, ça va? Maman, ce sont les examens, je le sais. Elle ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas faire ce genre de choses. Elle ne peut pas. Comment pourrait-elle faire ce genre de choses? Ah, pa, tu fais bien. Papa, je veux parler à ma maman. Chai, ma fille, viens ici. Tu vas causer avec maman, hein? J'appelle maman maintenant. J'appelle maman. Tu vas causer avec maman, hein? Viens. Causons avec maman, hein? Tu sais, tu es bien. Comme une fille, l'école, tu vas à l'école, tu lis et tu vas apprendre à papa de bonnes choses, hein? Si papa parle mal, tu parles bien, hein? Et ma fille de tous les temps, oh, ma fille, oh, lé. Tu es ma fille, non? Vicky, je te jure que je ne vais permettre à personne de se reposer facilement sur ma paume de main. Ah! Ce gars est tellement quelqu'un de généreux. Vraiment? Est-ce que tu sais que cela ne fait que 2 jours que j'ai rencontré ce gars. Il a déjà transféré une somme de 50 000 naira dans mon compte. Quoi? 50 000? Ouais. Juste comme ça? Ouais, juste comme ça. Ce gars est tellement riche et il n'a aucun problème à dépenser de l'argent. C'est pas comme tous ces petits chichas qui me courent après. C'est bien pour toi. Tu as de la chance. Pour moi, il ira pour le mieux. Je viens de me rappeler. Sais-tu que le chef Osaki m'a appelé la nuit dernière et il était inquiet pourquoi le téléphone de Nicole était éteint. Ah. Il a dit qu'il est rentré de Boudia, ça fait 2 jours de cela. Et qu'il a vraiment besoin de Nicole pour la nuit. Ah! Peut-être que son père a détruit son téléphone. À quoi cela me concerne-t-il? C'est le problème. En tout cas, babe, je vais à l'hôtel Bensé ce soir. Hey, et quand je vais arriver là-bas, je vais bien tourner mes reins sur ce chef. Je dis, je vais le tourner. Et il va oublier Nicole, en fait. Il se posera des questions. Pourquoi il allait voir Nicole en premier au lieu de venir chez moi? Crois-moi, tu sais que je peux le faire. Vicky. Ne me dis pas que tu vas. Feras-tu... Je vais. Dis-tu je vais? Quelque chose que j'ai fait est fini. Tu viens ajouter je vais. Ma chère, il n'y a pas de je vais dans cette affaire. Oh. Je l'ai fait. Signé et scellé. Laisse ça comme ça. Merci. Vicky, ça c'est la trahison. Nicole est toujours notre amie, peu importe la situation. Ah, laisse ça, va t'asseoir. N'es-tu pas celle qui a dit maintenant que quelqu'un a payé 50 000 naira dans ton compte juste après 2 jours que vous êtes rencontrés? Et alors? Tout tourne autour de l'argent, ma chère. J'ai besoin d'argent. Si tu n'aimais pas l'argent,
pourquoi laisserais ton mari pour les autres hommes? Alors dis-moi, c'est une question que je pose, ne te fâche pas. Victoria, je n'accepterai pas cela de toi. Je ne le ferai pas. Tu ne peux pas rester chez moi et te permettre de m'insulter. Pardon, arrête-moi ces conneries. Quelle maison? Non, quelle maison? Alors quand on appelle les gens qui ont la maison, tu t'élèves aussi. N'importe quoi. Parce que je suis élevée en restant dans cet endroit malfaisant. Tu penses que tu peux me dire du n'importe quoi? Oh, maintenant tu connais le mot traite. Tu veux que je le considère maintenant que je vais travailler mon argent. L'argent que vous faites, Nicole et toi, du business que je vous ai introduite. Pardon, oh. Ne prends pas tes ailes pour gâcher mes plans. Je te prie au nom de Dieu. En ce qui me concerne, je pense que c'est Dieu qui a créé ce moyen pour moi. C'est Dieu qui a retiré Nicole de ma route pour que je puisse aller me faire de l'argent. Alors pardon, laisse ça comme ça. Merci. N'importe quoi. Des choses inutiles. Ah ah! Vicky, je jure l'Éternel, la prochaine fois que tu me parles par rapport à ma famille, tu es morte. Je te promets. Pardon, va t'asseoir. Tu fais trop de bruit. M'as-tu compris? Tu fais trop de bruit, tu ne peux rien faire. Tu le crois vraiment? Laisse-moi te dire quelque chose. N'oublie pas que je suis dans ce business il y a longtemps avant toi. En fait, je t'ai introduite à le faire. Et n'oublie pas encore que j'ai un an de plus que toi. Et puis quoi? Alors ne me parle pas comme ça. Je suis ta supérieure. N'importe quoi. Notre maison est sale. Nettoie-la. Notre quoi? Cochonne, c'est ma maison que tu as mis en désordre. Idiote. Tout ce qui est au sol là t'appartient. Bon, maintenant la pauvre idiote se lève pour me dire n'importe quoi. Chérie, peux-tu me dire que tu n'es pas ta fille? Hein? Ça fait 6 jours qu'elle n'est pas là. Et tu ne fais rien à propos. Je vais aller à la police porter plainte. Oh. Femme, si vous voulez aller chercher votre fille, allez la chercher partout où ça vous plaira. Mais laissez-moi rester en paix, car je n'irai nulle part. Fichez-moi la paix. Chérie, pourquoi tu fais comme ça, non? Hein? Pourquoi tu es devenue amère? Ta fille a disparu. Mon Dieu, elle va disparaître. Et tu seras heureux pour ça. Je te l'ai déjà dit. Elle a dit qu'elle ne veut plus de nous. Que nous devons laisser qu'elle vive comme elle entend. Que veux-tu que je fasse d'autre? Va la chercher où tu voudras. Laisse-moi respirer un peu dans cette maison. Ou bien laisse ce sac là. Va l'arracher de ta vie. C'est plus important que ta vie. Bon ça. Bonsoir, s'il te plaît, viens. S'il te plaît, viens. Va-t'en loin d'ici. Va-t'en. Je ne céderai pas. Je ne comprends pas où est ton problème. Comment puis-je rester dans cette maison alors que ma fille a disparu? Je t'assure, tu me rends heureuse. J'adore ton sourire. Tu me rends fou. Il faut que je rentre à la maison maintenant. Pourquoi? Mon époux. Mon époux vient juste de m'appeler et dit qu'il a un chemin pour la maison. Oh mon Dieu! Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec eux? Je sais pas. S'il te plaît, ne me déçois pas, ok? Il est ennuyeux. Va t'asseoir. C'est moi, va d'abord t'asseoir. Chérie, oui, bébé. Je suis désolée, mais je pense qu'il faut que je m'en aille. Viens m'appeler pour une urgence familiale. Il n'y a pas de problème. Mais ne t'inquiète pas, mon ami va s'occuper de toi.
Oui, Victoria, je sais que tu le feras. Merci. Tu es vraiment très belle. Ok. Sacha, je voudrais juste rester avec une vie douce. Fais-moi confiance. T'es-je oui? déjà déçu? Oh non, allez. Ne t'inquiète pas. Ce temps arrive, nous allons le faire. Je suis très content. Ok, il faudrait juste attendre la préélection. Bien, tu peux toujours compter sur moi. Ne t'inquiète pas, tout ira mieux. Qu'est-ce que tu m'as gardé, bébé? Koumile, toi alors, mauvais garçon. À bientôt. Tu sais là où me trouver. Tu es folle. Ok, Sacha? D'accord. Ok. On se voit après? Bye bye. Ok. Thank you.
Salut les demoiselles. Bonjour. Comment salut. Ça va? Bien. Vous êtes très jolies les filles. Ah, merci. Et toi Joy, j'ai entendu que tu as vraiment aimé le film. Merci. De rien. Bien, voici votre paiement. Voici pour toi. Merci. Bien, de rien. Et voici pour toi, Linda. Waouh. Merci beaucoup. Ça, c'est beaucoup. Pour toi, chérie. Merci. Voici pour mon petit bébé. Ça, c'est pour oh, toi. Oh, merci. Bon, les merci. Filles, laissez-moi juste vous déposer à l'aéroport, d'accord? Très bien. Chérie, aucune nouvelle. Que ce soit la dernière fois, je ne laisserai plus jamais mon travail pour aller chercher cette fille. Non. Elle a choisi de vivre sa vie comme elle entend. Hey. Peux-tu imaginer que je demandais à tous ceux que j'ai rencontrés à son école? Et figure-toi que personne n'avait une idée d'où elle se trouve, y compris ses amis, ses soi-disant amis. Maintenant, pour la dernière fois, je t'avertis pour la dernière fois, ne me dérange plus jamais pour tout ce qui concerne ta fille. M'as-tu compris? J'ai compris. M'as-tu compris? J'ai compris. C'est la dernière fois. Ne tente plus. Hey! Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Neka! Neka! Je veux être dans un groupe de filles populaires hey, ici au campus. Ne t'inquiète pas. Moi, je te dis que je serai une star ici dans ce campus. Moi, je veux juste être... Regarde ta... Tu vois? C'est tout ce que toi tu sais Prends faire. Moi. C'est tout ce que toi tu peux faire. Et je vais faire partie des filles populaires. Hey. Ne t'inquiète pas ma copine. Cette fille tu me ne seras tue. Pas seule. Hein? Cette fille me tue mon frère. Cette fille peut tuer quelqu'un. Hein? Cette fille est belle. Aïe. Désolé pour toi oh. Chaque Aïe. Jour, cette fille va me tuer. Tu prends ça pour me nuire, me déranger. Pourtant, tu peux aller causer avec elle. Tu fais comme si elle va te tuer. Ah. Non, je suis charismatique. Oh. Je suis charismatique. Tu crois que je la laisse? Ne me frappe pas. Peur. Regarde, ne me touche pas. Va toucher la fille. Tu sais bien que ce n'est pas de ma faute si tu as peur. Hein. Va juste la toucher. Oh, ça, c'est à moi que tu parles de la sorte. Je ne t'ai pas dit de me toucher. Je sais bien que tu es plus grand que moi. Va juste la toucher. Un simple touchement. Ok. Regarde. Que je la touche. Juste la toucher. Attends. Regardez, hein. Ah. Si tu réussis à la toucher, cet argent te revient. N'est-ce pas? Je dis que si tu la touches, cet argent te revient. Sans problème, apporte l'argent que non, j'avais. Non, 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 attends. Va juste la toucher et cet argent te reviendra. C'est tout. Ok. Tiens ça. Ne fais pas haut. Juste reste là. Je ne peux pas partir. Va juste la toucher. C'est tout ce que je veux. Va la toucher. Le charismatique. Le grand des grands. Nya, 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 nya. Tu veux qu'on fasse ça? Tu veux vraiment qu'on fasse ça? Tu veux vraiment qu'on joue à ce jeu? Doucement. Mais qu'est-ce que tu crois? Doucement. Je dois aller tout doucement. C'est ton problème, c'est pas le mien. Ne le fâche pas, il y a un moustique posé sur ton dos. Il y a un moustique posé ici. Merci. Non, non, il y a... Elle dit merci, non? Merci! Non, vous ne pouvez pas le voir. Merci! Hé? Regardez. Merci beaucoup. Ok, gars, merci. Merci! C'est toi que le gros gars la cherche. C'est toi. C'est toi. C'est toi qui l'es venu chercher. C'est toi qui l'es venu chercher. Mon tu penses Dieu. Vraiment que je peux m'intéresser à ce genre d'homme? Je ne l'ai pas touché. Hein? Je viens de la toucher là. Hein? Donne l'argent, donne l'argent, donne l'argent. Quel argent? Attends, tu l'as touché, mais elle ne te connaît pas. Gars, tu es devenu ennemi du progrès. Oh. Lorsque je proposais ce jeu à toi, elles n'ont même pas demandé si tu les connaissais pas du tout. Attends, que je te dise, hein, à nos deux niveaux, hein, on n'a pas les mêmes problèmes de femmes. Tu sais ça? Mon niveau est plus haut que le tien. Gars, donne-moi mon cahier. Malhonnête. Donc tu parles, ces filles. La cantine ouverte que tu peux aller manger. Tu as peur de toucher la fille. Ah.
Victoria. Victoria! C'est quoi tout ça? Pourquoi est-ce que ma maison est un désordre? N'est-ce pas les plats dans lesquels on a mangé la nuit dernière? Regarde les mouches. Regarde le coussin. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Alors c'est comme ça que la saleté est tellement encore plus profonde de toi qu'en fait tu es capable de vivre dans un tel environnement. Arrange ça, non? Ouais, tu aimes trop le bruit. Arrange ça. Donc si j'étais venue accompagner, venue avec quelqu'un comme je l'avais prévu, c'est dans ce genre de désordre que la personne se rentre, hein? Non, mais tu sais, tu n'es qu'un porc. Depuis que Nicole a quitté cette maison, ma maison est toujours en désordre. Épargne-moi de tout ça. Ferme ta bouche. Regarde-toi. Tu m'appelles porc. Écoute, avant de me traiter de porc, il faut te regarder. Regarde ça. Qui a ce vêtement? Le tien. Tu veux que je te serve parce que j'habite chez toi? C'est ainsi? Oh oui. Ce plat est pour le repas de la nuit dernière. J'ai cuisiné, tu as mangé. Alors, où est le mal si tu laves le plat? Où est le mal en ça? Si tu entres dans cette maison et tu n'apprécies pas le rangement, tu le fais toi-même. Quelles sont ces conneries? S'il te plaît, ne me dérange pas si tu n'aimes pas l'état de cet endroit. Nettoie-le, range-le et ne trouble pas mon sommeil. N'importe quoi. Ah ah! Je ne t'en veux pas du tout. Je ne t'en veux pas. Parce que tu es une paresseuse. La seule chose que tu sais faire, c'est de t'asseoir, de coucher sur mon canapé et de coucher toute la journée. Que j'aille dormir dans la chambre. Dans la rigole. C'est là que les gens de ton espèce devraient vivre. J'ai préparé. Tu devrais laver les assiettes. Tu as préparé quoi? Qu'est-ce que tu as même trop préparé? N'importe quoi. Regarde le sol. Ce n'est même pas lavé. Rien n'est propre. Espèce de porc. Une idiote comme ça, elle vit chez moi, elle fait de ma maison une poubelle, elle ne peut même pas se chercher sa maison. Hé, hey, salut. Dame de Sadiqa. Salut. Salut bébé, comment tu vas? Je vais bien. Mais qu'est-ce qu'il a ton ami? Pourquoi tu le Juste comme ça, je vais saluer mais elle ne m'a pas répondu. Oh, s'il te plaît, oublie-la. Mais c'est pour que je m'étonne, on n'a pas de problème, je la salue, elle ne répond pas. Assieds-toi. Oublie-la. Alors, comment tu vas? Ah, je vais bien. Et toi-même? Je vais bien. Je t'ai pas vu à l'école aujourd'hui. Pourquoi? Alors, qu'est-ce que j'ai manqué? Tellement de choses. Oui, assez. Oh. Tu comprends, nous avons eu une évaluation en classe aujourd'hui. Et cela est pris en compte. L'as-tu fait pour moi? Ouais. Merci d'être toujours là pour moi. Tu sais, j'étais un peu souffrante ce matin. C'est pourquoi je suis allée nulle part. Je n'ai pas bougé de toute la journée. Désolée. Mm-hmm. Alors dis-moi comment ça se passe. De quoi parles-tu? Ta préparation concernant notre examen de fin d'année. Oh, ça, bien. Dieu m'aidera comme il l'a toujours fait. Bébé, c'est pas une blague. Tu me comprends? Il faut que tu sois vraiment très très sérieuse avec cette affaire. Parce que cela justifie tes 5 années passées dans cette université. Et cela ne doit pas être en vain. Qu'à Dieu ne plaise, mes 4 ans de l'école ne seront jamais en vain. S'il te plaît, dis-moi si ça. Je t'en ai fait en train d'aller au CB Café. Puis j'ai décidé de passer savoir pourquoi est-ce que tu étais absente à l'école aujourd'hui. Oh, merci beaucoup. Merci de t'inquiéter. D'accord. Bébé, tu sais quoi? Je pense que tu dois être très très sérieuse parce que tu sais, l'examen approche. Et tu dois être prête. D'accord?
Tu dois être français. Mais je tais-toi. Alors je sais que je ne devrais pas avoir peur. N'est-ce pas? C'est vrai. Bébé, il faut que tu comprennes. Je ne veux pas toujours tout faire pour toi. Je ne serai pas toujours là pour prendre ta défense. Ok, je ferai de mon mieux. Je sais que c'est ce que tu voulais entendre. Je donnerai le meilleur de moi. Très bien. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est très bien, mon bébé. Bien, porte-toi bien, d'accord? Je vais passer du temps avec toi. D'accord. Bien, à tout à l'heure, mon cœur. D'accord. Prends soin de toi. Ok, au revoir. Bye bye. Si c'est de la jalousie, arrête ça. M'as-tu compris? Si c'est de la jalousie, arrête ça. C'est quoi? Si c'est de la jalousie, arrête ça. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Pourquoi es-tu là toujours à la nuit? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Victoria, je suis au-dessus de ça. Qu'est-ce que je peux bien faire avec Frankie, ta racaille de petite amie? Qui est-il de toutes les façons? Un rat? Naomi, moi, une fille de classe. Tu penses vraiment que vous me rabaisser à sortir avec une racaille de son Pardon, espèce? Va avec ta grandeur. M'as-tu compris? Va avec. Je connais le genre comme toi, ce qu'ils font. Hein? Si je tourne le dos maintenant, tu iras t'agenouiller devant ce gars. Je ne te connais pas, je ne veux pas. Laisse ce garçon pour moi. Laisse-le, qu'est-ce qu'il y a? Mais tu es folle, tu as besoin d'aide, crois-moi, va chercher de l'aide. Il y a vraiment un truc qui ne va pas chez toi. Et tu es vraiment une femme stupide. Je t'ai dit et je ne veux pas me répéter. Laisse ce garçon pour moi, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, la prochaine fois que tu feras quelque chose contre ce gars, tu ne vas pas aimer ce que je vais te faire. Frappe ici. Victoria, laisse-moi te donner un conseil. N'importe quoi. Ce garde Franklin ne fait rien d'autre que t'exploiter tout en prétendant être ton Je confie. Ma copine, le fait que tu aies été dans ce campus bien avant moi ne signifie pas que tu as plus d'expérience que moi. Si tu le souhaites. En fait, tu peux amadouer ces professeurs en leur donnant de l'argent. Après tout, ton corps parle pour toi. Je ne peux pas coucher avec tous les professeurs à l'école juste pour passer un examen. Parce que... J'ai une dignité à protéger. Oh, la dignité? Depuis quand? Parce que si loin que je m'en souvienne, il y a des gens comme le chef Akugwe, le chef Okugolo. Ça, c'est ma vie. Et je vais la vivre comme ça m'enchante. Maintenant, Naomi, ne me pousse pas à dire quelque chose qui te fera vraiment très mal. Je ne veux pas me répéter. Laisse Franklin tranquille et arrête de prétendre que tu le détestes. Parce que toi et moi, nous savions que c'est non. T'écraser, prétendre aimer. Très bien, moi je ne vois aucun futur dans cette relation, alors désolée. Mais je vois un futur plus parfait, plus que ton mariage que tu appelles. Tu dois vraiment être très stupide de comparer ce qui a déjà été fait de ce qui n'a pas encore été fait. As-tu besoin d'être aussi stupide et avide de penser que tu ne feras jamais partie de ce qui est déjà fait? Je ne peux plus t'écouter en ce moment, désolée. Folle. Seigneur, c'est vraiment terrible. Quoi? Je n'arrive pas à comprendre. Être la dernière née d'une famille est la pire des choses qui peut arriver à une personne. Tu sais, ma mère m'appelle. Mm-hmm. Elle m'appelle, elle m'appelle. Je pense qu'elle va me dire quelque chose de raisonnable. Oh, rappelle-toi de gêner, n'oublie pas de prier. C'est vraiment mieux, crois-moi. Victoria, ça devient très lassant tout le temps. Parce que c'est vraiment terrible. Écoute, ma copine, je ne me soucie plus du tout des parents. Pas à ce stage. Tu comprends? Je ne cherche même pas à savoir s'ils vont bien. Parce qu'ils voudront tout le temps se mêler de mes affaires. Ah, ah, qu'est-ce que c'est? Ils doivent me laisser libre. C'est quel genre de surprotection, ça, d'amour parental? Et, franchement. Écoute, j'ai compris que Nicole est au campus maintenant. Et que ça fait 2 jours qu'elle est là et je ne comprends pas. Oh, alors. Nicole? Ah, Nicole au campus? Ah, oui, j'ai compris qu'elle est au campus. Oui. Écoute, si Nicole est ici au campus, tout le monde sera au courant de cela. Ce n'est qu'un mensonge, toi aussi. J'ai nié quand j'ai suivi cela. Cette fille est une menteuse. Et je suis trop sûre qu'à ce moment, si elle est là, il y aura mouvement, je t'assure. Je te jure. Es-tu folle? C'est quoi ça? Silence, silence. Netossi. Netossi. C'est la seule MC du MST. Ça, c'est Netossi. Baisse ton doigt avant que je le morde. Baba, Netossi, baba. C'est lui là-bas. C'est Netossi. Hein?
écoute là, tu es étonné? C'est l'humilité, c'est l'humilité, c'est très bien. Ma peine, ma peine. Il est très probable que nous jouions pendant tout ce temps. Qui connaît le moumou que Nicole s'est fait cette fois-ci? Tu cries? Pourquoi es-tu aussi contente? Que les hommes aillent au diable! Oh, c'est génial! Pourquoi est-ce que tu cries? Tu ne peux pas imaginer! Quoi? Elles ont peur de moi, non? Elles ont peur de moi! Demande-moi d'abord qui a eu peur de moi! Tchaï, que les hommes aillent en enfer! Qu'est-ce qu'il y a? Tout ça me va-t-il au moins? Elle est-tu pas comprendre? Ce sont mes copines! Pourquoi tu te sens t'arrêter, Mélodie? Les filles! Liberté, l'argent, c'est ça la vraie vie. Tu veux dire que ce n'est que maintenant que tu le sais? Je viens de l'apprendre. Tu vois donc, tu aurais dû accepter cette offre parce que maintenant tu serais en train de parler des millions. Yay! Yay, ma copine! Oui? Je pensais autrement, mais je viens de m'enrichir parce que la Bible dit que je ne dois avoir peur de rien. Oh. C'est qui ça? N'aie peur de rien, mon enfant. C'est Samuel qui le dit. Ça, ce n'est que le début. Le meilleur reste à venir. Cindy, 3 semaines seulement. Et ma vie a changé. Fais-moi confiance. Qu'ils aillent au diable! Je te ferai découvrir plus. Qu'est-ce que tu crois? Seigneur, j'ai tout essayé pour garder le parti en première position. Mais mes détracteurs ont saccagé tous les efforts que j'ai faits. Je suis désolé, mon Seigneur. Donnez-moi seulement la deuxième chance. Et je vous promets, mon Seigneur, je me corrigerai ce temps-ci. Juste le deuxième mandat, s'il vous plaît. Benet. S'il vous plaît, mon Seigneur. Assieds-toi. Assieds-toi. Merci, monsieur. Bennett. Monseigneur. Je t'ai mis dans ce bureau en tant que gouverneur de cet état. Et pendant tout ce temps dans ce bureau, en tant que gouverneur de cet état, tout ce que tu as réussi à me donner, c'est de l'embarras. Tu mets en danger ma carrière politique dans cet état. Et tu me demandes une deuxième chance. Tu n'auras pas cette deuxième chance, Bernard. Le temps des péripéties est terminé. Je ne permettrai jamais que tu sois un handicap dans l'arène politique de mon État.
tu as échoué. Tu me descends. Tu descends cet état. Tu tues le parti. Monseigneur. Oui. Cette première réunion est convoquée pour 15 heures. Ah, oui, oui. Dis au capitaine Basile de préparer le boat. Très bien, monsieur. Monseigneur, j'ai mis toutes les dispositions en place pour gagner les élections prochaines. S'il vous plaît, je promets, je me corrigerai. S'il vous plaît, Monseigneur, donnez-moi seulement la deuxième chance. Même les gouverneurs des autres états ont vécu la même expérience, mais ils ont gagné. Je suis sûr que je gagnerai celle-ci et je me rassurerai. S'il vous plaît, Monseigneur, je vous en supplie, je vous en prie. Bernard. Monsieur. As-tu entendu? Tu as échoué. Aie pitié de moi, fais-moi grâce, Monseigneur. Tu as échoué. S'il vous plaît, Monseigneur, juste le deuxième mandat. S'il vous plaît, Monseigneur, s'il vous plaît. Que dirige à mon peuple, à mes amis, à mes collègues, à mes chers gouverneurs? Hein? Hey, regardez, regardez. J'aime cette mariée. Non, je préfère celui-ci. J'aime bien cette robe-ci. Comment? Toi-même, essaie un peu de faire. Ça, c'est ma préférée. Celle-ci est non, je préfère celle-ci. Comment? Ce genre de robe peut tuer les hommes. Oh, Diane. Ah. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis stressée. Arrêtons de rire. Est-ce que tu l'as même vue? Une belle femme. Et regarde là-bas, mon Dieu. Regarde comment elle est habillée. Regarde sa chaussure. Salut. Elle ne nous regarde même pas. Tu veux me tuer? Désolé. Regarde comme ma fille est bien. Laquelle? C'est ma fille là, non? Juste celle qui est en robe là. Belle femme. Ma copine, j'aime le style de cette femme. Je veux dire tout la concernant. Tu as vu tout ce qu'elle a? Hey. Regarde sa jolie grève, ses paires de lunettes, tout ce qui est chic sur elle. Mon Dieu, elle est trop classe. Mon Dieu, trop sexy. Regarde, elle marie tout. C'est les bleus, boucle bleue. Ceinture rose, pantalon rose. C'est vraiment le rose noir blanc. Excuse-moi, Tito. Ce ne sont pas des trucs que tu mets sur vos oreilles là. Ah, excuse-moi. Tu mets le rose. Non, ne fais pas les choses comme ça. C'est juste ma. Hey. Deux. Ah ah. Trois. Ils vont bien. Quatre. Non, je ne pense pas. Garde cet argent. Continue. Je vais gagner ça. Qu'est-ce qui les arrive? Aïe, gars. Aïe. Tu veux me tuer? J'étais de manger, non? Maintenant, regarde-moi. Désolé pour toi. On a conversé quand je cherchais chez les filles. Elle est bien, mais regarde. L'autre, c'est ta dernière chance. N'est-ce pas? Les opportunités peuvent arriver, mais celle-ci est unique. Aïe. Tu as compris? Va la voir maintenant, oh, avant que je te fasse cet Que j'aille la voir maintenant. Va la voir, non? De quoi je l'ai, non? Ah, ah, tu es galant, non? Et tu es cool. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as mangé? Ce sont les oignons avec le lait cuit. Hey, il y a Dieu. Quoi? Ton haleine est très mauvaise. Hey. Va laver ta bouche, va te brosser les dents, va te brosser les dents. Rapidement. J'ai pas brossé ça comme ça. Pas comme ça. Va utiliser la brosse à dents et le dentifrice. Okay. Vas-y, rapidement. Okay. Non, mais c'était oh mon Dieu, vraiment, quelle journée. M'envoler. Ah. Oh mon Dieu, ce cours est tellement ennuyeux. S'il te plaît, j'ai acheté ceci pour toi. Hein? Tu as demandé de la glace? Non, je ne lui ai rien demandé. Non. Je disais que j'ai acheté ça pour qu'après les cours, hein, vous puissiez vous rafraîchir parce que la chaleur est intense. Merci. C'est pour toi que j'ai acheté ça. C'est pour toi que j'ai acheté ça. Ma copine, ça va. Il dit qu'il a acheté pour toi. Merci, on accepte. Oui, accepté. S'il te plaît, ne brise pas mon cœur. Il ne l'était pas avant, non? Prends-le. Il n'était pas brisé avant. Je n'aime pas le yaourt. Hé, hey, laissez-moi aller. Il apporte tout ça pour toi.
Viens, 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 viens. À part ça, je vais plus dépenser. J'ai déjà payé celle-ci. Lequel préfères-tu? Donne-moi celle du chocolat. Chocolat? Ok, le chocolat, le chocolat, le chocolat. Ok. Mais moi aussi, je veux la crème, s'il te plaît. Ok. Merci. Une autre? Un autre. Ok. Okay. Merci garçon. Un autre. Ok. Merci. Et moi okay. aussi. Toi, tu pourras avoir tout ce dont tu as besoin. N'importe quoi. Tu n'as pas d'emballage? Non. S'il te plaît, apporte pour notre bail. C'est ça, mes chéris. Ok, ça merci. Fait combien? 800. 800. Au revoir. Mes chéris. D'accord, mes chéris. Bye, on se voit plus tard. Mes chéris. Je suis amoureux. C'est combien? 800. Oui. Tu vas garder la monnaie. Merci. Hey, il te fait cadeau cet argent. Si tu les vois, il faut les donner gratuitement. Ok. Hey. Maman. Allez, maman. Écoute. Tu me manques aussi. Mais je dois rester parce que j'ai des choses à faire qui peuvent prendre un mois. Maman, un mois, c'est pas une blague. Je dois tout rassembler. Je t'aime. Tu me manques aussi. Non, non, bien sûr que non, non. Maman, les hommes sont comme les masques pour moi maintenant. Oh non. Selon moi, qu'ils aillent au diable. Qu'ils aillent au diable rapidement. Au diable, je dis. Peur de rien. Maman, c'est Sam, Sam. Oh maman, je t'aime aussi. Bye. Hey copine. Hey les filles. C'est comment? Hey les filles. Salut. Moi. Alors, comment ça va? Imagine quoi? Dis-moi. C'est fait. Non. Docteur Ibo a accepté l'eau. Il l'a fait? Et tous tes tests, tes devoirs, tes questionnaires, tout est sous contrôle. Oh, c'est génial! Que les hommes aillent au diable! Au diable, rapidement! Ne te dérange pas. C'est pour ça que nous sommes amis. Et nous avons tous accepté. Vous êtes mes meilleurs amis pour toujours. Et pourquoi sommes-nous amis? Non, je dois vraiment vous remercier. Je dois vraiment le faire. Où allons-nous? Je vais y penser, mais premièrement, prenez la pomme. Prenez la pomme. Prends la pomme. Je ne la prends pas. Prends la pomme. Calme-toi, s'il te plaît. Tu penses que le travail est un petit travail? Je te donne. Tu es ma copine. Tu es ma copine. C'est mon diable. Peur de rien, c'est dans Samuel. Chérie, comment ça va? Je vais bien. Il est parti? Oh oui, parti. Oh, finalement. Ah. J'ai cru que tu as dit qu'il était parti. C'est quand même, je pensais. Qui est là? Ouvre, c'est moi. Et toi? Va-t'en.
Sois le bienvenu. Ouais, comment tu vas? Je vais bien. Oh, oh c'est bébé. Comment tu vas? Je vais bien. Je savais pas que tu venais. Oh, j'étais prêt d'ici lorsque ma voiture est tombée en panne. Il m'a fallu rentrer à la maison prendre une autre. Ok, bébé, voilà ce qu'on va faire. Bon. Ouais. Merci. Va t'échanger et on ira prendre le dîner. Dîner? Oui, le dîner. Dîner? Dîner. Ce sera bien. Toutes les deux? Oh oui. Ah oui? Toutes les deux? Oui. Oh, oui. Allons-y. Très bien, très bien. À tout à l'heure. D'accord. À tout à l'heure. Ok. Dépêche-toi. Ah, chérie. Ah, tu n'es pas rentré avec ta voiture. Chérie, oh. Pardon. Hey. Comme d'habitude. Elle a encore tombé en panne. Alors allez chez le mécanicien. S'il te plaît, donne-moi un peu d'eau à boire. Chérie. Mince, qu'est-ce que cela veut dire? Mince. Voilà ça. J'ai aperçu ta fille aujourd'hui. Et vous? Neka, ma fille. Neka, non, je l'ai vue. Elle est dans cette ville. Je l'ai aperçue avec ses amis, là d'ailleurs. Il paraît même qu'elle conduit une voiture maintenant. Hey! Pourquoi es-tu si étonné? Chérie, tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. C'est quand la dernière fois que j'ai blagué dans cette maison? Hey! En tout cas, pourquoi il fallait juste que tu sois au courant, oublions ça. Hey! Mais si je t'ai aussi dit ça, c'est pour que tu me laisses en paix. Laisse-moi en paix dans cette maison. Laisse-moi en paix. Ne me pose plus de questions à propos de Neka. Aïe. Plus jamais. Je ne vais pas le répéter.
n'est qu'à dans cette ville avec ses amis. Ah ah, ça c'est quoi ça, non? Je vais me laver. Hey, qu'est-ce que je vais faire ici dans cette ville? Elle ne vient pas ici à la maison. Hey, hey. Mon Dieu. Naomi, tu es rentrée. Comment tu vas? Victoria, qu'est-ce que ça signifie? Je te laisse à la maison. Je dors dehors. Une seule nuit. Et à mon retour, toi et ton idiot de petite amie aviez fait de ma maison une maison close. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Et si par hasard mon mari arrivait et voyait toutes ces bêtises, qu'est-ce que je vais pouvoir bien lui dire? Quoi? Je vois. Tu n'as absolument rien à dire pour ta défense. Debout. C'est quoi ton problème, non? Pardon, mon ami, lève-toi de là et sors de ma maison. Maintenant, là, lève-toi de là. N'importe quoi. Vraiment. Je ne veux pas revenir ici et vous voir tous les deux dans ma maison. Dis-moi, bébé, où est mon sac? Vraiment, je ne comprends même pas ce qui m'arrive. C'est la situation, c'est... Vivi, je sais pas que tu penses que je me mêlais de ta vie. D'accord? Je pense que cette affaire ne t'a pas tué. Mais si c'est une leçon pour que tu ne fasses plus jamais confiance à une femme. Je savais qu'elle se préparait à faire quelque chose. Je le savais vraiment. Merci. Merci d'accepter de me loger dans ta chambre jusqu'à ce que j'aie mon appartement. Hey, mais c'est Naomi. Je vais en finir avec cette fille. Vivi. Je vais lui donner une leçon qu'elle ne sera pas prête à oublier. Vivi. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, regarde-moi. Regarde-moi très bien. Parce que je me suis rabaissée au plus bas pour habiter dans cette trou qu'elle appelle maison. C'est pour cela qu'elle se permet de jeter mes effets précieux hors de la maison. Ah non. Vivi, c'est bon, ça va. Je ne permettrai pas. Lalaï, pas moi. Hey. C'est bon, d'accord. Pas de problème, merci. Oh. Mais ne t'inquiète pas. C'est bon, d'accord, écoute-moi. Écoute-moi, tu n'as pas à te mettre en colère pour aucune raison. Est-ce que tu me comprends? C'est chez moi ici. Tu peux rester aussi longtemps que tu le souhaiterais ici dans cette maison. J'ai dit merci, oh. Mais cela ne veut pas dire que je ne vais pas en finir avec cette fille. Attends. Ne me demande pas de laisser, Vivi, parce que tu ne sais pas comment on se sent quand on est insulté par Hera. Vivi, c'est vrai. C'est vrai. Tu m'écoutes là? Tu n'as pas besoin de te mettre dans cet état parce que une pauvre fille a foutu tes affaires hors de sa maison. Voici ma maison, tu peux rester ici. Tu comprends, je ne me plains pas. D'accord? Écoute-moi. S'il te plaît, laisse-moi, je ne suis pas d'humeur, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Je veux que tu oublies ça. Baby, it's got somebody code. Show me, banana.
of who I could say. Oh, yeah, she got a girl, my love, Faraya. Oh, yeah, she keep body for me. My love, Faraya, shawty, she, oh, yeah, scatter body for me. Body, surely. Comme je pensais, nous sommes au diable. Hey, 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 attends, viens, je t'appelle. Viens, on doit parler. Arrête de faire ce que tu fais là. Là, on dirait que tu veux m'avaler. Même le plus gros crocodile ne peut pas manger un être humain comme moi. Avant qu'il ne finisse de me manger, l'aide va venir. Quand je parle, tu dois écouter ce que je dis. Tu m'as écouté, donc tu dois m'écouter. Je m'amuse, Pao. J'essaie juste de parler l'anglais très bien. Je cause l'anglais. Donc toi et Naomi, vous vous moquez de moi dans ce campus? Vous vous moquez? Parle. Qui a honte maintenant? Moi, toi ou Naomi? Qui a honte? Chérie, personne ne peut sortir de ce niveau sans l'aide de Dieu. Et comme je parle, Dieu ne peut pas permettre que je chute, tu m'entends? Le Dieu Tout-Puissant ne permettra pas que je tombe. N'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Deviens ma femme de ménage. Je vais t'accepter. Oui. Ma copine, pourquoi tu perds ton temps avec cette idiote-là? Elle ne le mérite pas. Dis-lui. Non, elle n'a pas le niveau. Dégage-la. Sais-tu ce qui te sauve? Ce qui te sauve, c'est ton rendez-vous avec la femme du sénateur. Te sauve. Sinon, tu l'aurais regretté. Dis à Naomi que j'ai dit que le jeu vient juste de commencer. N'importe quoi, c'est ça. Hey! Vois sa jaquette. Oh, diable! Qu'est-ce que tu fais là maintenant? Dégage, bêtise, dégage. Avec ta jaquette. Comme les policiers de la route. Regarde! Avec ta petite jaquette. Regarde ce qu'il te parle aujourd'hui. Tu ne vois pas comment elle te parle, moi. Écoute, pourquoi elle te fait ça? Elle ne faut pas te parler les mots comment, tu vois. Et je suis sûre, Naomi est une méchante et une sorcière. Ça, c'est son problème. Laisse-moi te dire quelque chose. Je vais lui faire savoir ceci. J'ai commencé à faire les choses dans ce campus avant même qu'elle ne pense à écrire ni s'asseoir dans ce campus. Ma chère, je suis là derrière. En fait, ma soeur, ne la laisse même pas. Tu vas lui faire ça, elle va sortir. Je connais ses entrées et ses sorties. Ne t'inquiète pas, bientôt elle se mettra à genoux pour demander pardon. Crois-moi pour cela. Mais si c'est pour Nicole... Hey, peu importe, je n'ai même pas le temps pour celle-là. La dernière fois, il fallait voir comment je l'ai traitée. Elle et sa stupide brune laide de copine. Je les ai traitées, elles ne pouvaient même pas parler. Ne t'inquiète pas, tu vois toutes ces filles, je vais en finir avec elles. Tu vas regretter pourquoi elle est née. Tu vas voir. Tata, désolé. Bon après-midi. Je m'appelle Bima. Moi, c'est Thelma. Oui, nous sommes aussi étudiantes au département marketing. Actuellement, nous vivons dans le... Nous vivons dans le même immeuble que toi. Nous sommes tes voisines. Vraiment? Oui. Vas-y, parle. Moi, c'est Nicole, étudiante dans cette université. Parle! Tata, désolée, excuse-moi, il ne faut pas te fâcher. Est-ce que nous pouvons oui, te rendre ça. Visite? Pourquoi pas? Je sais. Merci. Merci.
Allô? Victoria. Oui, maman. Que fais-tu? Je suis dans ma chambre. Je révise. Tu révises? Écoute-moi attentivement. J'ai eu un mauvais rêve à ton sujet. Mauvais rêve? De quoi parle ce rêve? Oublie ça. Tout ce dont tu as besoin, c'est de prier sans cesse. Prie toujours. Lis ta Bible. Fais attention à tout ce que tu fais. Tu es sous la protection de Dieu Tout-Puissant. Je sais. Prie vraiment assez. Je te couvre dans le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus. Ok, je t'appelle plus tard. D'accord. D'accord, sans souci. Merci, maman. Psaume 91. D'accord. Regarde ça. Wow. Essaye un peu. Mon Dieu, c'est très joli ça. Waouh. C'est le genre de choses que seules les filles comme moi, Naomi, peuvent s'offrir. Nicole et Victoria pensent que nous avons le même niveau. Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est que je me suis trouvé un mogo qui travaille dans une société pétrolière. Oh, tu es sérieuse? Et tous ces articles sont vraiment très chers. Vous voyez ça? Je sais. Imaginez quoi? Quoi? J'ai rencontré Victor avec son gros imbécile de copain à la galerie de l'école ce matin. Il mangeait les biscuits, les jus. Les biscuits et du jus. Victoria, c'est vraiment elle toute crachée. C'est la seule chose à laquelle elle est forte. Se trouver des pauvres petites amies. Exactement. Ah! Bref, laissez-moi vous surprendre les filles. Regardez ça. Oh mon Dieu! Regardez, elle me vient directement d'Edouard. Quelqu'un t'a fiancée? Mm-hmm. Oh mon Dieu! J'ai dit oui! Wow! Oh mon Dieu! Merci chérie! T'es pas heureuse pour moi? Quoi? Si se rendait compte que tu es mariée. Ah! Eh bien, le temps qu'il se rende compte, j'aurais déjà implanté mes griffes bien profondes en lui. Oh! Oui? Et comment vas-tu le découvrir? Vas-tu le lui dire? Non, non. Et toi, vas-tu le faire? Non. Allez-vous non, le faire? Je ne ferai pas je ça. Je peux faire ça. Ils sont jolis, j'ai bien, aimé. Maintenant, étant donné que je vous aime bien, je vais permettre que chacune d'entre vous prenne un article. J'ai sourire. Oh, bien sûr. Oh, je suis généreuse. Qu'est-ce que tu veux? Attends. Je pense à... Attends. Je crois que j'aime ça. Je si ça peut te suffire, c'est d'accord. Waouh. Pas besoin de faire semblant. Les filles, vous êtes mes filles et je le prends de cette manière. Je sais que vous voulez voir mes photos, donc laissez-moi vous montrer un peu quelques photos. Je vous ai attrapé, n'est-ce pas? D'accord, allons-y. Ça, c'est moi, mon ami, mon grand ami. Ok. Ça, c'est moi, mon ami. Ça, c'est moi. Celle-ci est belle. Merci. Ça, c'est moi. Et qui est ce gars à côté de toi? Mon ami. Depuis ce temps, je ne suis pas en paix. Je sais que le diable travaille contre les enfants de Dieu. Hey! Mais il a échoué. Amen. Mais il a échoué. Amen. Parce que nous sommes couverts par le sang de Jésus. Amen, amen. Le plan de l'ennemi contre nous est nul et sans effet. Mm-hmm. Aucun ennemi, maman. Aucun. Oui. Il est échoué. Maman, tu ne m'as pas demandé pour mon nouvel appartement. Mm-hmm. Ne t'occupe pas de moi. J'étais troublée par le rêve que j'ai eu. Mm. Comment est ton nouvel appartement? C'est bien haut. Maman, il y a la liberté maintenant. Mm-hmm. Je peux maintenant m'exprimer et répondre à mes appels sans que personne ne vienne me déranger. Je lis ma Bible chaque jour. Tu as les moments de silence. Oui, sans que quelqu'un ne vienne se moquer de moi. Hein? Je me lève très tôt le matin pour aller à l'école. Je m'habille décemment sans que ces stupides filles se moquent de la manière dont je suis habillée. Maintenant, je peux bien prier. Je n'ai quand je veux. Liberto. Et j'aime ça. Et ça me plaît très bien. S'il te plaît, garde ça. Ça va te permettre de grandir. Dieu est bon. Amen. Dieu je est suis bon, content d'entendre Dieu est bon. Ça. Amen. Ah, alors,
Laisse-moi aller me... Merci Jésus. Maman, voici un peu d'eau. Il faut prendre tes médicaments. Mon fils. Maman. Maman, je t'en supplie, laisse-moi t'amener à l'hôpital. Tu ne vas pas bien. S'il te plaît. S'il te plaît. Maman, regarde-toi. Vraiment, il faut qu'on aille à l'hôpital. Ces médicaments que tu bois, c'est des trucs de la route. Je n'aime pas ça, maman. Hey, désolé, désolé maman, désolé maman. Vas-y, vas-y doucement. Désolé, désolé maman, maman, désolé. Mon fils. Maman. Si tu m'amènes à l'hôpital, qui va prendre soin de moi là-bas? Est-ce que tu vas laisser ton marché pour venir prendre soin de moi? Maman, ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire du tout. Maman, allons d'abord à l'hôpital, hein? Que le docteur t'examine. Maman, maman, s'il te plaît, laisse-moi t'amener à l'hôpital, mon hein? Fils, c'est mieux que je meure chez toi. Tu dis quoi comme ça? Tu ne peux pas mourir chez moi, maman. Tu ne peux pas. Au lieu que tu m'amènes à l'hôpital, où personne ne va prendre soin de moi. Maman, maman, tu ne vas pas mourir. Comme t'amener ta femme. Ne veux pas revenir. À cause de l'école. Dieu est là. Maman, laisse Tamno, laisse Tamno. Tamno va venir. Elle va venir. Hein? Maman, elle va venir. Je l'ai appelée. Elle m'a dit qu'elle va venir. Hein? Mon fils. Maman. Amène-moi à l'intérieur. Hein? Cette chose que vous avez fixée qui donne le froid là. Ça me donne le froid. Ok, maman. Hein? Désolé. Désolé, désolé maman. Maman, s'il te plaît, laisse-moi t'amener à l'hôpital. Hein? Alors, il faut qu'on aille. Hein, maman, c'est mieux à l'hôpital. C'est mieux à l'hôpital, maman. Hein? Mon fils, dénage-moi, j'irai bien. Maman, maman, c'est mieux à l'hôpital. C'est mieux qu'on aille à l'hôpital pour qu'on t'examine. Non, tu vas guérir, maman. Dénage-moi, j'irai bien. Maman, s'il te plaît. Maman, tu te reposes un peu, ensuite on va à l'hôpital, hein? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Allô? Ibiso, comment vas-tu? Allô, Tamno, maman, maman et la fille, elles sont malades, leur santé ne fait que se dégrader. Tamno, je t'en supplie, Tamno, viens voir maman et reste avec elle et l'enfant, au moins pendant 2 jours. Tamno, tu m'as dit que tu vas venir, Tamno, tu n'es pas venu, Tamno, ce soir, tu es... Tamno, s'il te plaît, je n'arrive même plus à partir au travail, du tout. Tamno, s'il te plaît, je t'en supplie vraiment. Hein? Attends une seconde, je t'ai dit que nous étions en période de recherche, en ce moment je fais les recherches. Jay, les recherches de quoi même? Tamno, s'il te plaît, c'est pas la recherche, c'est pas la recherche, c'est maman et l'enfant, la fille de maman. Tamno, Tamno, tu es pas quoi, non? Passe ici, attends, essaye, t'es quand même, passe ici. Pourquoi tu n'essayes pas? Essaye. Je vais te rappeler et je reviendrai à la maison dès que j'aurai terminé avec ces recherches, d'accord? Tamno, chaque fois, tout le temps, tu me dis, après tu ne fais rien. Tu dis, tu arrives, après tu ne viens pas. Tamno, Soussou, apprends que t'es qu'elle m'aime. Parce que c'est l'enfant, notre enfant, elle est malade. Oh, pata, pata, kakra, koroba, kora, kora, Soussou. Tu ne comprends pas. En fait,
je ne m'attends même pas à ce que tu comprennes parce que tu n'es pas allé à l'université. Tchai, Afia, Parabam. Tamno, je sais que ça ne va pas très bien à l'université. Mais Tamno, il s'agit de notre enfant. Notre enfant. Et de ma maman. Tamno, s'il te plaît, Soso, c'est Takamo. Tamno, s'il te plaît, essaye, viens. Viens. Je t'en supplie. Soso, je t'en supplie vraiment. Juste deux jours, pour que je puisse au moins aller au travail. Je travaille parfois, je râle, comme ça la fille peut manger. Je suis à l'école, ça t'aura géré les problèmes de la maison et arrête de me déranger, s'il te plaît. Tamna, pourquoi elle a raccroché? Ça va aller. Non, ne pleure pas. Hein? Maman arrive. Elle arrive. Assieds-toi. Ça va aller. Hein? Ça va aller. Maman arrive. Hein? Qu'est-ce que j'ai même fait au bon Dieu? J'ai fait quoi? Voilà. Hey! Nekumwamo! Hey! Regardez ma fille! Regardez ma fille! Maman! Écoute, maman! Hey! Ah, hein? Maman! Te lave l'amour! Hein? Hi! Maman! Ma chérie! Maman, tu as bonne mine! Regarde-toi! Tu es belle, ma fille! Hi! Hi! Oh yo yo! Ma chérie, tu as disparu! J'étais trop inquiète! Maman, désolée! Oublions tout ça! Où est l'homme lion? Tu appelles ton père avec ce nom? Comment je suis supposée l'appeler, maman? Papa est dur. Donc, l'homme lion, c'est comme ça que je l'appelle. Il est sorti. Je suis la seule que tu as vue. À qui appartient cette voiture? C'est ma voiture. Hey, c'est pas vrai! Maman! Maman! Hey! Qui t'a donné maman, cette voiture? Maman! Hey, maman, attends jusqu'à voir ce qu'il y a dans la malle pour toi. Tu m'as gardé quelque chose, ma fille? Oh, voilà mon nom! Oh, maman! Maman. Tu peux ouvrir jusqu'à haut. Tout ça pour tout, moi. Maman, je peux encore ajouter. Tout ça pour moi. Tout ça. C'est pour toi. Où est l'homme lion? Où est l'homme lion? Hey! Nemo, n'est comme maman. Dieu va te bénir. Amen. Dieu va te bénir. Hey! Tout ça pour moi. Maman, regarde ce mauvais tas. J'ai acheté ça pour toi. Le tapioca n'est pas bon. Le tapioca n'est pas bon, maman. Ma seule fille, tout ça pour maman, moi. Maman, regarde, non. Je vais fermer la malle. Hey! Yeah. Encore? Je vais ça fermer se ferme la tout malle, seul. Maman. Ça se ferme tout seul. Hey! Mon Dieu! Ma fille, c'est toi qui connais. Je ne sais pas quoi faire. Je porte ça seule. On va faire ma fille. Maman, ne fais rien. Tu peux déjà commencer à danser là. Allons d'abord à l'intérieur. Aïe. Et beau. T'es bon. T'es sorti, non. Allons à l'intérieur. Non. Ce n'est même pas l'éducation que je lui ai donnée. Débarrassez-moi de tout ça, qu'elle parte avec. Non. Je ne lui ai pas demandé de l'aide. Non. Ce n'est pas ce que je lui ai demandé de faire. Non. Madame, laisse-moi passer. Hey! Dis-lui, qu'elle parte avec ça. Je n'en ai pas besoin. Je ne l'ai pas envoyé à l'école pour qu'elle me ramène cette chose. Je l'ai envoyé pour faire des études et devenir quelqu'un dans la société. Maintenant, regarde ce qu'elle est. Hey! Regarde ce qu'elle est devenue. Elle vend son corps, elle achète des bêtises pour venir chez moi. Non. Hey, Obi, je vois que la pauvreté est installée dans ton fond intérieur.
Tu ne veux plus voir aucune évolution. Regarde-toi, Obi, pauvreté. Regarde la voiture. Tu as eu cette voiture, ça fait depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, c'est garé. Demain, à la fourrière. Tu ne peux rien faire avec. Tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer. Ma fille, ça m'a fait une nouvelle chose. Tu te fous. Écoute. Écoute, laisse-moi te dire. Ramasse ces choses. Tu entres dans cette voiture et tu t'en vas très loin. Je ne veux plus voir cette voiture ici. Si je vois encore cette voiture ici, je vais... Je t'ai entendu, papa. Allez, va-t'en. Et ne reviens plus. C'est ça, ma chérie, beau. Tu ferais mieux d'aller avec moi. Je vais assurer. Tu encourages la prostitution. Ma fille est une bonne prostituée. Dégage ces choses de mes yeux. Ma fille est une bonne prostituée. Tu vas à l'école et reviens avec une voiture. N'as-tu pas honte de toi, madame? Va-t'en. Si tu veux aller avec elle, vas-y. Je suis partant. Papa. Parce que ces choses sont fous le camp. Papa. Si je pars de cette maison, je ne reviendrai plus jamais. Je m'en fous si tu ne reviens pas. En fait, je ne veux même pas que tu reviennes. Farid ne revient plus jamais ici. Hey, ma fille doit passer au... Ferme-la. Ma fille doit rester. On verra entre toi et moi qui appartient à cette maison. Ma fille ne doit pas quitter au... Allez, ferme ta bouche et dégage de là. Allez, dégage. Ma fille ne doit pas passer. Toi, regarde-toi. Toi, tu as chassé ma fille. Elle n'essaie même pas de me faire des reproches. C'est bon. T'es convaincu? Ouais. Tiens. J'ai un truc à te dire. Tony. Bakary, bon jeu. Ouais, c'était une bonne partie. Ça se bien. Bien. Et tu peux t'entraîner. Oh oui. Mais vois-tu, c'est la politique. Ma vie n'est que politique. Alors, dois-je rester là et regarder Bernardo détruire mes années de combat? Non, mon seigneur. Ah, ça, non. Je comprends. Il est sur le point de traverser le tapis. Ça, c'est vrai. Il développe des ailes. Nous allons les découper. Nous allons lui couper les ailes et rompre avec lui. Et on lui casse les bras. Bien. Colin? Monsieur? Comment les choses se passent-ils? Monsieur, les mouvements de campagne ont été bien effectués dans tout l'État. Bien. Merveilleux. Et la population semble être prête à remettre leur confiance à leur leader. Voilà. Oui. Bien. Rassure-toi. Aucune pierre n'est laissée sur la langue. Sûr, monsieur. Cet État est entre nos mains. Ça, c'est vrai. Thank you.
Qu'est-ce qui retient même cet homme, non? Hein? Et le réseau dérange aujourd'hui plus que les autres jours. Si cet homme vient qui vient maintenant que j'en finis, déjà que cette petite bêtise me démange la tête. Finalement. Hey chérie. Salut. Oh mon Dieu. Viens par là, bébé. Viens là. Comment vas-tu? Je vais très bien. Alors bébé, dis-moi, comment, qu'est-ce qui est arrivé à ton téléphone? Je t'appelle depuis un bon moment, tu ne décroches pas. Vraiment? Mais mon téléphone a... Oh, vraiment? C'est sûrement le réseau. Je vois. Tu m'as manqué, d'accord. Oh, bébé, t'es sûr que ça va bien? Oui, très bien. Tu m'as l'air un peu stressée, tu sais que ça va? Vraiment? Non, je vais bien. Ok, s'il te plaît, donne-moi de l'eau à boire. Pourquoi n'allons-nous pas à l'intérieur? Il y a de l'eau là-bas. Allons-y. Alors, donc c'est vrai. Mais s'il te plaît. Ne me touche pas. Ne me touche pas. D'accord? Mais s'il te plaît, je peux expliquer la photo. Expliquer quoi? Le fait que tu sois mariée et tu me le caches? Non, il y a une explication à cela. Je peux expliquer. Je suis vraiment désolée. Oh, mais non, je sais. Ok? Et tu sais quoi? Le jeu est terminé. C'est terminé. Vas-tu te lever de là, toi femme malade et Regarde-toi. Tu as laissé ton mari et ton enfant au village. Et tu es là à flirter avec tout homme sur lequel tu poses tes yeux. Tu as vu? Et toi? Je t'ai dit qu'elle est mariée. Que fais-tu encore ici? S'il te plaît. Je ne veux pas croire que tu aimes coucher avec les femmes mariées. Bébé, c'est Regarde. Qui rit le premier ira le dernier. Je t'ai dit, chérie, tu es une humiliation. Pourquoi tu ne prends pas tes pieds et tu rentres au village? Attacher ton pagne et prendre soin de ta famille. Mon Dieu, tu me rends malade. Maintenant, tu as honte de toi. Tu vois? Au revoir. Asseyez-vous, mes enfants. Pas de rien. Asseyez-vous. Merci. Vous savez vraiment danser, hein? Merci. Regarde-toi, je t'ai pas prononcé. Elle est la seule, c'est une vraie fille. Est-ce que tu danses? Tu bouges seulement, est-ce que tu danses? Merci. En tout cas, vous avez dit mémé et vous voulez rejoindre mon groupe? Vous faites partie du groupe? Il y a certaines règles dont vous deviez prendre connaissance. Règle numéro 1. Nous ne voulons pas des filles difficiles dans notre affaire. Si tu veux être difficile, tu vas en enfer. En enfer, tu m'entends?
Dieu a dit qu'à Dieu ne plaît, ce n'est qu'un petit roman. En enfer. Tata, désolée, s'il te plaît, ne te fâche pas. Mais que signifie au juste être dur? Qui est ta tantine? Tu sais pas que c'est la sœur de ta mère. Ok, désolée, je ne le dirai plus encore. Mais que signifie être dur? C'est simple. Dur. Quand un naira non pas dans tes fesses, c'est seulement le jean que tu portes. Un naira non dans tes fesses, c'est seulement le jean qui est sur tes fesses. Ça, c'est être dur. Si tu veux être dur, tu vas en enfer. En enfer. Et l'effet est immédiat. Tu m'entends? En tout cas, il y a d'autres règles. Mais en avançant, nous allons sûrement vous apprendre des règles. D'accord? Mm-hmm. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu grattes? Non, je ne gratte rien. Je touche juste ma tête. Je vous aime bien. Nous t'aimons aussi. Quitte, va danser! Va danser là-bas pour prouver que tu es heureuse d'être incorporée dans les représentatifs des représentants. Lévons-nous. Danse maintenant! Danse ou va en enfer! Viens danser! Tu es invitée dans le club, viens danser! Faisons ce qu'elle nous demande. Qui est celle-ci? Danse! Bow down, come on, let's show it, let it go. Bow down, now wait around this, make it bow down. When you see me in the club, make it bow down. Bow down, see baby boo, bow down. You just look at me down, make it bow down. Yeah, what about it is, make it bow down. Show it, let it go, show it, let it bow down. Bow down, girl. Showcase, I'm banging. Showcase. Chérie, qui es-tu? Vraiment? Oh mon Dieu! Merci. Viviane, pourquoi est-ce que tu ne parles pas? Viviane, je te pose la question. Qui était cet homme avec qui tu traînais? Il y a environ quelques heures. Qui était-il? Pourquoi es-tu en train de te déranger? Edward? Edward, c'est mon petit ami. As-tu un problème avec ça? Oh, Seigneur. Alors, c'est vrai. Alors, comme ça, c'est vrai. Je n'y ai jamais cru. J'ai été aveuglé. Dieu merci, tu peux le voir maintenant. Victoria, tu es une prostituée. Victoria, tu es une suceuse. Tu es une prostituée. Comment oses-tu m'appeler une prostituée? Comment oses-tu, toi, stupide rat? Dis-moi, si tu t'appelles une prostituée, alors qu'est-ce que tu es? D'accord, je suis une prostituée. Alors, c'est aujourd'hui que tu veux une prostituée? C'est aujourd'hui? N'importe quoi. Tu sais quoi? C'est fini. Entre nous deux. N'est-ce pas que je n'ai pas envie de mourir à cause de ça? Le plus tôt sera le mieux. Je pense qu'il faudrait que tu ailles te faire dépister maintenant. Peut-être tu as été infecté. Pour ton information, je ne t'ai jamais pris comme mon petit ami. Mon ami, tu n'as pas le niveau. Tu étais juste une aide académique. Et c'est ça. Vraiment? Oui. Dorénavant, je ne veux plus te voir traîner près de moi. Dégage. S'il te plaît, Franck, ne me laisse pas, s'il te plaît. Non, pas maintenant. S'il te plaît.
N'importe quoi. Laisse-moi t'éclaircir une petite chose. Je pense que tu devrais t'estimer chanceux. En réalité, considère-toi privilégié. Quel inutile. Et un moins que rien comme toi est flirté avec une grande fille comme moi dans ce campus. Et peu importe l'aide académique que tu m'as portée, je m'excuse de t'informer que tes services ne sont plus utiles. Alors tu peux la prendre, la mettre, là où ça te chante. Peu. Alors, le jour des examens, je serai vraiment... Crois-moi. Je sais. Oui. Tu sais, excuse-moi, je ne sais pas ce que tu as dit. Maintenant, les choses sont en train d'aller doucement et tranquillement. D'accord. Victoria, tu penses être intelligente. Tu penses être vraiment très intelligente. Oh bien, je suis juste venue te faire savoir que la bataille ne fait que commencer. Mon Dieu. C'est drôle. Très bien. Vous pouvez continuer à vous marrer comme vous le souhaitez. Mais ce que je suis venue dire a été dit. Je vais très bien m'occuper de toi. Oh oui, je le ferai. De quoi parle-t-elle? Ah, je sais. Vas-tu dégager d'ici, petite fille, avant que je ne t'écrase? Écraser? T'ai-je entendu dire écraser? Comme si tu le pouvais. N'ose jamais. Qui est celle-ci? Je ne sais pas. Qui est-elle? Ok. Maintenant, laissez-moi vous rassurer toutes les deux. Naomi et Chissan, que le cri de guerre vient d'être lancé. Bien sûr. Alors, soyez prêtes à danser. Et qui t'a invité dans cette histoire? Vas-tu la fermer, espèce de cafard? Toi? Toi et moi allons nous rencontrer. Un de ces jours. Le jour de la revanche. Est-ce que tu penses vraiment que moi, Naomi, je vais m'asseoir et te regarder me voler mon petit ami? Oh! Tu pensais que j'allais m'asseoir et te regarder me voler, toi? Salut! N'es-tu pas supposé être mariée? Oh, s'il te plaît, va prendre soin de ta maison et de ton misérable mari. Et laisse les célibataires jouer. Maintenant, laisse-moi t'assurer, ceci est juste un petit aperçu. Maintenant, te concernant toi, je vais te laisser parce que ton autre côté me fait vomir. Merci. Allez! Allez! Alors... Ah oui, oui, oui. Quelque oui. chose. Oui. Je vrai. Sais que tu peux. C'est pourquoi je te fais confiance. Pas besoin que je révise. Regarde. Ah, allez. Folle. Alors, on a besoin d'argent en tout moment. Ok, sans problème, je vais lui dire. Qu'est-ce qu'elle dit? Que c'est un sénateur. Waouh. Ok. Allô, visite de régissance. Bonsoir, madame. Bonsoir. Sentez-vous libre. Je suis sans défense et douce. D'accord? Mon ange. Comment tu t'appelles? Mon nom, c'est Chidima, madame. Vraiment. Et toi? Madame, je m'appelle Thelma. D'accord. Madame, nous attendons le sénateur. Mon Dieu. Je suis la sénatrice. Je m'appelle la sénatrice Pamela Osadji. Oui, madame. S'il vous plaît, madame, nous ne sommes pas lesbiennes. Allez, laisse-toi aller, d'accord? Allez. Oui, madame. Allez. Désolée, madame. Nous ne sommes pas lesbiennes.
Sois tranquille. Allez. Désolée, nous ne sommes pas les espions. S'il vous plaît, nous ne sommes pas des lesbiennes. Nous ne sommes pas des lesbiennes, madame. Quelle connerie! Détruit! Détruit! Ces filles ont détruit ma réputation devant madame Pamela. Pouvez-vous imaginer? Quand je pense que j'étais tranquille, quand ces deux babouins sont venus vers moi me disant qu'elles m'aiment, que suis-je supposée faire maintenant? Quoi? Ces désespérants ont tout foutu en l'air. Hein? Regardez comment elles se pavanaient en se montrant. Nicole, Nicole, où es-tu allée ramasser ces filles? En fait, tu les préfères en état de Prisca et moi. Dis-le-lui. Tu vois ce que tu t'infliges. Pardon, en enfer. Je vais partir. Va te faire foutre. Je vais aller me faire foutre, ne t'inquiète. Michel, calme-toi. Calme-toi. Pourquoi est-ce que tu es en colère? Est-ce à cause de ces filles? Tu ne les as jamais rien enseigné. Alors ne te mets pas dans cet état. Cindy, ce n'est pas un grave problème de ne plus être crédible devant le sénateur. Ce n'est pas une raison. Ah ah, ce n'est que ça qui te dérange. Tu sais bien que le sénateur Pamela t'aime beaucoup. Et si tu lui expliques bien la situation, je ne vois pas pourquoi elle ne va pas te pardonner. Crois-moi. Tellement. Dis-moi, j'étais tranquille quand vous êtes venu me dire que vous aimez ma personne. Maintenant, ma gentillesse est devenue un problème. Regarde la bêtise dans laquelle l'égoïsme est mise. Regardez, non? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, jeune fille? Le sénateur Pamela t'aime vraiment. Et sincèrement parlant, tu es tout pour elle. Pardon, va me chercher quelque chose à boire, s'il te plaît. Non, ça ne marche pas, ça ne marche pas. S'il te plaît, va me chercher à boire. Je suis venue chez toi et tu dois me recevoir. Regardez le problème dans lequel je suis maintenant. Moi aussi, tu as dit que j'ai un enfer. Maintenant, notre cause est vraiment grave. Laisse-la se fâcher, est-ce que ça a un sens? Ah ah. Comment peut-il espérer qu'on couche avec une femme? De femme à femme, qu'à Dieu nous plaise. Ça c'est un péché contre la nature. Dieu ne nous pardonnera jamais. Je ne peux pas faire ce genre de choses. Même pas un esprit ou... Laisse-moi te demander, est-ce que Nicole est réellement lesbienne ou pas? Quoi? Je ne sais pas où, je n'ai rien dit de ce genre, je n'ai rien dit. Tu as peur? Gars, qu'est-ce qui arrive à nos bébés là? Hey! Je sais que quelque chose ne va pas. Je l'ai remarqué. Je l'ai remarqué. Hey, Dingma, Dingma. Dingma n'est pas fière dernièrement. Surtout en ce moment. Tiens, hey, elle n'est vraiment pas d'humeur maintenant, non? Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on va faire? Allons la voir. Je suis le big boss. Je pourrais lui faire plaisir. Effectivement. Tu sais que je n'aime pas quand tu n'es pas contente. Qu'est-ce qu'il y a? Baby, Dingmam. Hein? Qu'est-ce qui te dérange? Quel est le problème? Hein? Dis-moi non. Hein? C'est quoi? Bébé, s'il vous plaît, parlez avec nous. Sûrement, nous avons la clé qui peut vous envoyer vers le bonheur. Hey! Dingmam. Dis-moi maintenant. Dis-moi ce que je peux faire pour toi pour que tu sois heureuse et que ton visage ne soit plus si triste. Hein? Même si je devrais porter cette maison. Ou bien tu voudrais que Dieu commence à danser pour toi. Hein? Dis-le juste et dis-moi. Hein? Ce que je dois faire, je vais le faire. Ok, d'accord, calme-toi. Danse. Attends, juste danser? Oui, tu dois être amusant. Attends, attends, juste danser. Uh-huh. Juste le plat. Ce n'est rien, il fallait me dire ça. Juste danser? Danse. Mais ça, c'est un petit problème. Rien, donne-moi il fallait me dire ça depuis. Ok, je danse. Uh-huh. On commence. Donne-moi ça. Allez, dansons, non? Engage. C'est toi le touriste. Tu as la Shanghai pour aller chercher la danse. Que ça change quoi? Tu ne peux pas commencer. Non. Va de ce côté. Va de ce côté.
Je t'ai bien dit, ne prends pas ce sens, prends celui-là. Ah ah! Regardons de ce côté. Hey! Je suis fatigué. Tu vois, c'est une vraie bêtise. Hey!